Allez, c'est parti. En route vers la manif. Départ du cortège, 14h. Ça fait du monde. Ah, on fait de la musique. Ah, j'ai bouffé du pollen, c'est dégueulasse. Je crois qu'il y a un peu de monde à l'arrière. Et un peu de monde à l'avant. Voilà, on est au cœur de la manif. Contre le contrôle technique, contre les différentes actions qui sont menées soi-disant pour de la sécurité routière, mais on sait bien que c'est pour du pognon, tout ça. Ne serait-ce que les prunes qu'on paye tous, là... Enfin bon, moi je touche du bois, pour l'instant j'en ai pas payé beaucoup, parce que j'ai une moto dont la philosophie c'est pas forcément de faire des excès de vitesse. Je suis un peu épargné là-dessus, mais tout cet argent là que l'État récupère, il est investi où, comment? Est-ce qu'il y a une partie qui est investie pour l'entretien des routes? En tout cas... Si c'est le cas, c'est pas suffisant, hein, puisque quand on voit l'état de nos routes, il y a des nids de poules partout, regardez, la glissière là, pétée, elle est même pas réparée. J'imagine si on a un accident nous là-dessus, tu glisses en ligne droite, tu tombes là-dessus sur une glissière, déjà sur une glissière simple, c'est hyper dangereux, mais en plus quand elle est pétée et que les poteaux dépassent,
moto, je vous explique pas ce que ça peut faire. Donc grosse mobilisation aujourd'hui à Tours. Franchement, ça fait plaisir. Et en musique en plus. Ah, c'est bon ça. Et les automobilistes sont sympas. Ils prennent leur mal en patience. Eh, parce que les routes, les nids de poules, c'est pas que pour les motos, hein, c'est pour les voitures aussi. Si vous voyez là, mais ça va jusqu'au bout là-bas, traverse le pont là-bas tout au bout à droite, et derrière je vous laisse regarder. Changement de programme, on a dû s'extirper de la manifestation parce que il y a eu cafouillage au niveau de l'organisation, ils se sont trompés d'itinéraire, donc on s'est embarqué dans la ville, la police était obligée de faire la circulation à chaque rond-point qu'on passait parce que l'itinéraire n'était pas prévu, du coup on était arrêté toutes les 10 minutes pour attendre que la circulation soit faite, donc là on a préféré s'extirper, malheureusement, mais bon c'est comme ça. C'est pas grave, on a bien profité quand même de ce moment-là pour montrer qu'on était présent. Et là, direction la concession, on se retrouve tous là-bas.
Bon ben voilà, après avoir discuté avec les frérots, bah effectivement il y a certaines motos qui étaient en train de chauffer là, quand on roulait au ralenti. Donc il était grand temps qu'on sorte de tout ça. Et ben on va se quitter là-dessus. Du soleil, des frérots, de l'esprit motard, une super journée. Allez, ciao les amis, on se retrouve bientôt. Bonne semaine à tous, ciao.